Cuisiniers, des élus locaux, des gens qui travaillent dans les administrations territoriales. Et c'est cela, un forum, c'est essayer de mettre ensemble tous ces profils complémentaires qui sont absolument nécessaires, dont le dialogue est indispensable pour qu'on arrive à faire avancer l'organisation territoriale de l'alimentation. D'ores et déjà, je tiens à vous Gilles, dire, oui. je me permets de te couper parce que on a des retours sur YouTube où il est indiqué qu'il n'y a pas de son. Ah. En fait, le son est passé sur le YouTube portugais, mais pas sur le YouTube français pour quelques minutes. D'accord. D'accord. OK. Bon, D'accord. bah, je te laisse poursuivre, Gilles. Désolé. Comme vous le voyez, c'est une image de l'aspect un petit peu compliqué de ce forum, puisque le coronavirus nous a obligés à chercher des solutions. Qui nous permettrait de tenir quelque chose qu'on avait imaginé, organisé en présentiel en Bretagne. Et donc, nous avons été obligés d'expérimenter. Nous savons que tout ne pourra pas être parfait. Nous vous demandons d'ores et déjà de bien vouloir nous pardonner les imperfections qu'il y aura fatalement. Alors, ce nous, c'est en fait outre Teralim, c'est le réseau Bretagne Solidaire, hein, qui rassemble les associations, les collectivités engagées dans la solidarité internationale en Bretagne. C'est l'association Ingala qui travaille pour le commerce équitable et spécialement avec le Burkina Faso. L'association Amar qui organise des échanges avec le Brésil. Et puis, nous avons aussi avec nous les CIVAM de Bretagne, qui sont des groupes de développement agricole. Bien entendu, si je vous citais tous les partenaires burkinabés, brésiliens et autres, vous vous ennuieriez vite. Et donc, je vous engage à venir sur notre site, voir tous ceux qui participent directement à l'action, mais aussi tous ceux qui nous appuient, en particulier le Conseil régional de Bretagne, dont le soutien est vraiment déterminant, mais aussi les municipalités d'Auray, de Brest, de Rennes, de Saint-Brieuc.
Et puis un tas d'entreprises qui ont bien compris que leur pérennité, leur résilience, ben, dépend aussi de la résilience de toute la société dans laquelle ils sont immergés. Alors, un petit merci à notre ami Nicolas Viard, qui est aux manettes, à la technique, et qui fait vraiment des miracles pour nous permettre d'être là tous ensemble, malgré les milliers de kilomètres et les barrières linguistiques qui nous séparent. Donc, cette session est consacrée à un jeu de questions-réponses avec des intervenants qui ne vont disposer que d'un temps réduit pour se présenter et pour présenter leurs réflexions, sachant que nous vous invitons à vous reporter aux ressources qu'ils ont accepté de tourner, puisque la plupart d'entre eux ont fait des vidéos et qui vous permettront de développer plus à fond leurs pensées. Nous savons qu'une conférence de type visioconférence est dure à supporter dans la longueur. Nous avons estimé qu'une heure et demie, c'est vraiment le grand maximum que chacun d'entre nous, qui en est sans doute saturé au quotidien, pourrait supporter. Et donc, autant que possible, nous le consacrerons à l'échange, à des questions que vous pourrez poser aux intervenants. Mais ce n'est qu'une étape, et ce que nous n'avons pas pu faire, c'est-à-dire rassembler dans chacun des territoires les gens qui s'intéressent à l'alimentation, nous espérons bien, une fois que nous pourrons de nouveau nous déplacer, poursuivre cette démarche. Donc, puisqu'on est dans le culinaire, ce que nous vivons aujourd'hui n'est qu'un apéritif pour des démarches qui vont trouver leur plat de résistance dans des réunions en présentiel qui se feront par la suite. Ou tout de suite, puisque nos amis burkinabés ont la chance, eux, de pouvoir se rassembler physiquement. Donc, je ne saurais terminer cette prise de parole sans avoir une pensée particulière sur ceux qui auraient pu, qui auraient dû être avec nous et que les circonstances amènent à ne pas pouvoir être avec nous, puisqu'ils sont aujourd'hui au tribunal au Brésil, que certains risquent l'expulsion de terres sur lesquelles ils travaillent depuis des années. Et je vais céder la parole à Sarah Less de l'association Amar, qui va pouvoir nous dire quelques mots sur ce qui est en train de se passer au Brésil, et nous pourrons projeter un petit film qui vous montre de quoi il s'agit, sachant que malgré tout, deux Brésiliens qui vivent la situation que vous allez voir sont avec nous. Bonjour, vous m'entendez? Bom dia, companheiros e companheiras. Estamos aqui na colheita do feijão agroecológico Carocango. E aqui foi aproximadamente 2 a 3 hectares de feijão que a gente conseguiu preparar. E vamos estar colhendo aproximadamente também 3, 4 toneladas. Quando chegamos aqui, só o que se via era capim, muita área que foi desmatada para a produção de capim. Na verdade, esse era só com produção de bovino, feito por arrendatário, não pelo o proprietário. E após a ocupação das famílias, essa realidade já foi modificando. Essa casa de farinha é apenas uma demonstração da nossa produção de alimento saudável e de abundância, porque nós produzimos aipim, macaxeira, como chamas em algumas partes do Brasil aí, em abundância. Entregamos para o Penai, inclusive, né, muito. Toda segunda-feira sai uma tonelada de aipim, entre outros produtos, para merenda escolar. O assentamento agroecológico Oswaldo de Oliveira, né?
já com um processo de consolidação de 10 anos, né, já produzindo de forma agroecológica, colocando sua produção nos programas governamentais de alimentação, de escolas e outras instituições públicas. E mesmo com essa consolidação, com essa produção já em andamento, o judiciário brasileiro, que começa a ficar muito claro sua não neutralidade, né, sua parcialidade, o judiciário decide pela reintegração de posse para o antigo proprietário, que além de ser responsável por esta terra não cumprir sua função social, é também responsável por desmatamento nessa área, né? O judiciário tenta voltar atrás nessa experiência e restituir essa propriedade para o proprietário capitalista, desconhecendo seus princípios agroecológicos, a função social da terra. Nós já fomos atacados na Bahia, né? Já fomos atacados em Minas Gerais, já fomos atacados em São Paulo, estamos sendo atacados aqui também, entendeu? Então, é uma articulação nacional que, e sem dúvida, o governo Bolsonaro, essa força conservadora que está abalando o mundo e o nosso país, sem dúvida contribui para que eles fiquem mais assanhados, né? E tente tirar conquistas nossas já tão valiosas. Donc, vous me permettrez de reprendre la parole pour souligner que cette résilience à laquelle nous sommes tous attachés réclame aussi certaines conditions politiques pour pouvoir s'exprimer et que certains pays, malheureusement, en sont aujourd'hui privés. Alors, je crois que Silvano est avec nous. Silvano, t'as me ouvindo? Sim, estou ouvindo muito bem. Pode dar uma palavrinha para a gente? Sim, claro. Claro. Então, boa tarde, né, já a todos os presentes. Um prazer estar com vocês. Eu sou Silvano Leite, falo aqui do PDS Oswaldo de Oliveira, projeto de desenvolvimento sustentável. Que vous convidez. Vous pouvez tous entendre Silvano en français en cliquant sur le bouton interprétation et demander le canal français pour ceux qui parlent français ou anglais pour ceux qui parlent anglais. Vai, Silvano. Ok. Eu dizia que eu sou Silvano Leite, falo aqui do PDS Oswaldo de Oliveira, no Rio de Janeiro, Brasil, no município de Macaé. E hoje somos 63 famílias que vivemos aqui produzindo de forma agroecológica uma abundância de alimento, o feijão agroecológico carucango, a farinha, o inhame, o milho, a abóbora, diversos tipos de hortaliças e fazendo a preservação ambiental. Esse é um projeto ambiental onde nós produzimos sem transgênico, sem veneno, sem queimada, e de forma coletiva, né? Somos 63 famílias que vivemos de forma coletiva aqui nessas terras. Hoje, dia 25 de outubro, estamos, logo mais vai ter um julgamento, né, de pedido de reintegração de posse aqui, pedindo o despejo, pedindo a retirada, desfazendo o assentamento, colocando as pessoas nas ruas, a pedido da Justiça do Rio de Janeiro. Nós estamos agora nesse momento, exatamente nesse momento. Il portera sur notre expulsion de ce territoire. As famílias estão aqui na sede. Les terres risquent de revenir à leur propriétaire précédent. Voilà quelle est la tenue de ce procès. Nous sommes donc au cœur de ce conflit judiciaire. Nous sommes au tribunal. Autrement, nous serions directement expulsés dans la. Nous n'avons nulle part où vivre, nous n'avons nulle part où faire valoir notre droit à produire, notre droit à l'alimentation. Nous sommes ici, nous résistons afin de pouvoir rester ici sur ces terres.
Oswaldo de Oliveira. Para nós é uma grande oportunidade falar aqui nesse fórum, ici, que é denunciar a nível sur les terres de Oswaldo de Oliveira. Et nous voulons dénoncer haut et fort les injustices qui sévissent au Brésil en raison des pratiques du gouvernement de Bolsonaro, qui nous a toujours menacés, traités de terroristes. La seule chose que nous faisons en réalité, c'est produire des aliments sains. Et nous luttons, nous travaillons contre la mentalité de l'agro-industrie. Voilà ce que nous faisons. Et je souhaitais vous indiquer ceci, vous en informer, car j'aimerais vous demander votre soutien. Nous avons besoin d'une aide internationale de la part de l'ensemble des partenaires. Je souhaitais vous remercier. Je remercie nos collègues de France, d'Espagne, qui sont venus ici pour nous rendre visite. Ils ont vu nos terres et vu ce que nous faisons en pratique. Ici Silvano, j'espère que vous avez donc suivi tout ce que Silvano a pu nous dire. Nous allons maintenant passer à un autre pays très différent, un pays qui est la Suisse, et Dominique Barjol, donc de l'Université de Lausanne, va pouvoir se présenter et vous dire quelques mots au bout desquels vous vous sentirez absolument obligé de voir la passionnante vidéo qu'elle nous a réalisée. Merci beaucoup Gilles, merci de cette possibilité pour moi aussi de participer, de prendre la parole dans ce forum super intéressant. Voilà, j'ai fait une petite vidéo pour vous présenter la prise en compte de la résilience du système alimentaire en Suisse en abordant la sécurité, l'autonomie et la souveraineté alimentaire dans notre pays. Donc, je parle au début de tout ce processus que nous avons en Suisse autour de la démocratie directe qui permet aux citoyens de prendre la parole à partir du moment où ils réunissent un grand nombre de signatures, la sécurité alimentaire. Mais c'est intéressant quand même de travailler auprès de ces initiants pour voir leurs intentions. Et nous allons voter bientôt sur un autre thème très passionnant qui est celui des pesticides et de l'usage des pesticides, donc en 2021. Et là, on en vient sur le thème de la résilience. Donc, à l'Université de Lausanne et même dans mon emploi précédent, j'ai mené une recherche sur la résilience et l'évaluation de la résilience de l'agriculture d'un petit canton en Suisse, le canton de Vaud, donc c'est près du lac Léman. Et là, on a vu que la Suisse n'était pas si résiliente que ça et que sur beaucoup d'indicateurs que vous découvrirez dans ma vidéo, nous avons un faible score de résilience. Donc, on n'est pas très capable de résister aux chocs, qu'ils soient climatiques, économiques ou sanitaires, comme on les connaît maintenant. Donc, le système est peu, il est résilient dans son ensemble, mais sur 5 dimensions, il est peu résilient. Et on a vu que la crise récente n'a fait que renforcer des points sur lesquels la Suisse était déjà résiliente, notamment la vente directe qui a beaucoup progressé et les connexions directes entre consommateurs et agriculteurs qui en résultent. Donc, c'est ça le point principal qui conforte quand même la résilience de ces agriculteurs. Et maintenant, un dernier point qui mérite d'être souligné, c'est que la crise a eu des incidences politiques sur le débat dans cette période qu'on connaît avec deux initiatives pour une réduction très forte de l'usage des pesticides. Les agriculteurs, le lobby des agriculteurs a réussi à décaler dans le temps, à reculer le temps des votations. Donc, des choses qui devaient être votées cet automne, voire au printemps, seront plutôt votées à l'été de l'année prochaine seulement et non pas 2020. Parce que les citoyens ou l'ambiance politique est plutôt à sécuriser l'approvisionnement et que l'argument principal, c'est de dire si on réduit trop les pesticides, on ne pourra plus vous nourrir. Donc, voilà un petit peu pour vous présenter tous ces points de la Suisse. Et je vous encourage bien sûr à aller voir cette vidéo. Bien,
Merci beaucoup. Alors, pour vous donner un dernier argument auquel vous ne pouvez pas résister, sachez que Dominique a été directrice de la viticulture. Donc, si après ça, vous n'allez pas consulter sa contribution, vous êtes totalement insensible. Nous allons rester en Europe en ce début pour donner la parole à Terry Marsden de l'Université de Cardiff, qui va nous dire quelques mots. Donc, Terry est un chercheur extrêmement reconnu sur tout ce qui est système alimentaire, et il va nous dire des mots sur la proposition qui est portée auprès du gouvernement gallois pour un nouveau système alimentaire au Pays de Galles. Terry, you can speak. Thank you, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. Je suis désolée, mais je devais m'exprimer en anglais, non pas en gallois ni en français. J'ai certaines limites linguistiques. Je suis très heureux d'être ici parmi vous et de retrouver tout le monde sur une base, peut-être pas présentielle, mais par Internet. Mes collègues ont déjà insisté sur le bienfait de la solidarité, de la collaboration internationale. Le rapport qui a été fait hier en ce qui concerne l'accaparement des terres et le déclin de la production alimentaire. Néanmoins, je voudrais vous dire que j'ai une vidéo, une documentation en ce qui concerne ce sujet. J'ai travaillé sur cette thématique depuis de nombreuses années. Et il est intéressant de dire qu'au Pays de Galles, nous avons été très innovants au cours de ces dernières années et nous avons créé, élaboré des lois en ce qui concerne la loi sur l'avenir des futures générations et de fait prendre comme principe la durabilité et de l'intégrer dans les politiques publiques. Et c'est peut-être unique dans le monde et nous sommes train de développer cette loi qui avait été élaborée en 2015 et le système alimentaire était intégré dans cette loi et nous avons essayé d'intégrer les futures générations dans cette loi sur le bien-être et en particulier en ce qui concerne le système alimentaire et les transformations des alimentaires en Pays de Galles et en Grande-Bretagne. Et je insiste sur plusieurs points dans la vidéo, mais il y a trois facteurs qui sont importants dans le développement de ce type de politique. Tout d'abord, la transformation dans le domaine agricole lui-même et en particulier en insistant sur la biodiversité et renouveler la diversité des systèmes agricoles, les systèmes agroécologiques, et nous proposons également un objectif justement pour développer au maximum le système agroécologique en tant que base de production agricole. Et nous avons, dans le cadre de la politique agricole, de prendre ce point-là. Et nous avons aussi un point sur ce qui concerne la thématique du Brexit. En Grande-Bretagne, nous avons constaté un appauvrissement de l'alimentation et des régimes alimentaires. Et c'est absolument surprenant de voir qu'une des pays les plus riches du monde connaît ce type d'appauvrissement, et en particulier en ce qui concerne l'alimentation et les régimes et toutes les maladies qui y ont trait. Et la consommation est un élément fondamental justement dans le cadre de cette action pour les prochaines années. Le troisième aspect qui est souvent pas pris en considération lorsque l'on parle de la chaîne d'approvisionnement et tout, c'est ce qu'on appelle le maillon manquant
et les nouvelles formes d'infrastructures, infrastructures physiques et les qui peuvent créer différents types de marchés, des différentes niches de marché. Et on a pris comme exemple l'expérience brésilienne en ce qui concerne les marchés locaux. Et donc, l'un des aspects que nous avons repris au Pays de Galles, c'est essayer de développer des nouveaux marchés, des structures numériques, digitales, et de diversifier l'ensemble du système au loin de ce qui, jusqu'à présent, est très concentré dans ce qui concerne l'agro-business et l'industrie agroalimentaire. Et pour l'avenir, pour pouvoir avoir une résilience du système alimentaire, il faudrait donc justement diversifier non seulement la production agricole, mais aussi la chaîne d'approvisionnement et la consommation. Donc, pour la prochaine décennie, je pense que c'est l'agenda, le programme que l'on devrait avoir pour travailler non seulement le système alimentaire, mais des ODD, des objectifs de développement durable, etc. Merci. Merci beaucoup, Terry, de ces pistes. Alors, ces pistes sont évoquées par un universitaire. Pour les mettre en pratique, il faut des politiques. Nous avons la chance d'avoir avec nous Guillaume Garot, qui porte une proposition tout à fait convergente avec ce que vient de dire Terry, qui serait celle d'une couverture alimentaire universelle. Donc, Guillaume Garot, vous pouvez peut-être vous présenter et aussi nous donner envie de passer voir votre vidéo. Merci d'allumer votre micro, s'il vous plaît. Désolé. Je saluais chacune et chacun d'entre vous et je vous disais mon plaisir de partager ce moment d'échange avec vous. Moi, je suis Guillaume Garot, je suis député de la Mayenne, qui est un département de l'ouest de la France. J'ai été ministre de l'agroalimentaire et je suis aujourd'hui aussi président du Conseil national de l'alimentation dans mon pays, la France. J'en viens tout de suite à votre sollicitation, Gilles Maréchal, mais je voudrais juste avant, puisqu'on parle de résilience, vous dire aussi qu'un des enjeux qu'on doit traiter, me semble-t-il, c'est celui de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Parce qu'aujourd'hui, on a une planète qui s'épuise, plutôt qui épuise les ressources naturelles sans forcément bien nourrir l'ensemble des humains qui l'habitent. Et les chiffres sont accablants, le constat est terrible. Aujourd'hui, on jette un tiers de ce que l'on produit. Un tiers de la production alimentaire mondiale, chaque année, termine à la poubelle. Donc, et ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai en France comme au Brésil, c'est vrai chez nos amis gallois comme c'est vrai en Suisse aussi. Et donc, c'est un vrai défi alimentaire mondial que nous devons relever. Et j'ai en France était le promoteur d'une loi contre le gaspillage alimentaire. Donc, j'ai engagé mon pays dans la voie d'une politique publique contre le gaspillage alimentaire, faire en sorte que chacun puisse manger, j'y viens dans un instant, mais faire en sorte d'abord qu'on ne jette pas la nourriture qu'on produit parce que c'est un non-sens absolu. Produire pour jeter, c'est absolument incompréhensible. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut penser nos systèmes alimentaires demain face à ce défi du gaspillage alimentaire. Et donc, tout faire à toutes les étapes de la chaîne alimentaire, de la production jusqu'à la consommation, pour réduire de façon drastique ce gaspillage alimentaire. Je voulais en dire un mot. Et puis, puisque Gilles Maréchal, vous me sollicitez sur la question de l'accès de tous à l'alimentation. En effet, aujourd'hui, je m'interroge beaucoup sur la façon dont on peut garantir à chacun dans les pays qu'on dit développés, comme la France, on est un pays riche, on est la sixième puissance économique mondiale. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de pauvres dans notre pays.
Et pourtant, on le voit avec cette crise du Covid, les files d'attente devant les associations de solidarité qui œuvrent pour l'aide alimentaire n'ont jamais été aussi longues. Donc, comment on fait pour que chacun puisse manger à sa faim 3 fois par jour? C'est le problème que je pose et que je pose dans le débat public français. Et j'ai fait cette proposition d'une couverture alimentaire universelle, un peu comme l'idée d'une sécurité sociale alimentaire. C'est très simple, hein. L'idée d'abord que l'alimentation, ce n'est pas une marchandise comme les autres, que c'est un droit fondamental. Et donc, pour le garantir, il faut se fixer l'objectif de travailler avec tout le monde, de faire en sorte qu'on mobilise tous les échelons politiques et pas simplement l'État, mais aussi, peut-être même d'abord, les collectivités locales. Parce que avoir accès à l'alimentation, quand on est un citoyen français ou qu'on habite notre pays, c'est d'abord pour les enfants pouvoir aller à la cantine scolaire pour manger le midi et ne pas être exclu de la cantine parce que ses parents ne pourraient pas la payer. Donc, il faut faire en sorte que dans toutes les collectivités locales de France, dans toutes les villes et villages de France, il y ait des tarifs solidaires, des tarifs sociaux pour permettre à chacun, à chaque enfant, de manger le midi. Et puis, si on va un petit peu plus loin, ça c'est une proposition concrète, mais si on va un petit peu plus loin que je développe dans la vidéo, pendant le Covid, il y a eu des bons alimentaires, des bons pour acheter de l'alimentation, qui ont été distribués, soit par des collectivités locales, soit aussi par l'État pour les personnes les plus démunies. Très bien. Moi, je pense qu'il faut en faire un levier pour demain, pour que on puisse non seulement garantir cet accès à l'alimentation grâce à cette aide mensuelle, mais surtout que ça permette de flécher cette aide vers des produits dont on sait qu'ils sont de bonne qualité, dont on sait qu'ils répondent à des modes de production agroécologiques, hein, une agriculture locale, une agriculture sans pesticides, une agriculture qui n'épuise pas les ressources de la terre. Bref, qu'on soit dans un circuit vertueux. Et si on peut lier non seulement l'aide alimentaire, mais l'aide aussi à la planète, une seule santé, une seule planète, alors là, on est dans une politique résiliente. Et c'est ce que je veux porter, moi, dans mon pays, à travers cette entrée qui est l'aide alimentaire, assurer à chacun la capacité à se nourrir tous les jours, bien sûr, mais au service, avec le sens de pouvoir s'inscrire dans cette nécessaire politique générale pour préserver notre planète et donc pour produire autrement. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur Maréchal. Merci beaucoup, Guillaume Garot, de l'avoir dit en plus avec beaucoup de conviction. Nous verrons pas par la suite avec nos amis brésiliens, d'une part, et argentins, que finalement ces bons alimentaires orientés préférentiellement vers des achats, vers l'agriculture agroécologique, ça peut exister. Ça a déjà existé dans certains pays, ça continue encore timidement. Et donc, je vais pouvoir passer la parole à Moacir Darolt, qui va nous en dire quelques mots justement sur l'expérience qu'il a vécue dans sa région de Curitiba, au Brésil, pendant la crise de la pandémie. Moacir. Merci, Gilles. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Moacir Darolt. Je suis chercheur et professeur à l'Université fédérale du Paraná et aussi dans un centre d'agroécologie au sud du Brésil, à Curitiba. Curitiba, c'est une ville, une grande ville, presque 2 millions d'habitants. Il n'y a pas de zone rurale dans la ville de Curitiba. Donc, on dépend complètement de la zone périurbaine. Ça, c'est une chose importante. Et je voudrais remercier à Gilles pour l'invitation et toute son équipe pour le magnifique travail d'organisation de cette forme-là. Bon, pour les personnes qui sont en train de nous voir, je vous invite à voir les vidéos, à regarder la vidéo et qui montre l'expérience de la zone métropolitaine de Curitiba. Donc là, on est à peu près 1000, ici dans la région, 1000, 1500 familles et des producteurs
en agroécologie, en un réseau très important d'agroécologie. Ça fait 6 à 7% du total des producteurs. C'est un chiffre important parce qu'au Brésil, on n'arrive même pas à 1%. Donc, s'il y a un travail intéressant entre les acteurs pour arriver à ces chiffres-là, un travail aussi important dans les gouvernements, pour les programmes, comme vous avez parlé déjà, des politiques publiques, on a des politiques très fortes. Et les détails, c'est qu'ici, il y a des gouvernements, ils ont un secrétariat qui font toute la logistique pour parler avec ces agriculteurs qui sont dans le réseau d'agroécologie, et pour organiser ces coopératives pour faire les livraisons pour les gouvernements. Il y a deux programmes d'alimentation scolaire, et à côté, il y a un programme aussi qu'on appelle des acquisitions d'aliments, qui sont des programmes pour acheter, pour vendre à les gens en situation de vulnérables. Donc ça, c'est un autre point que je parle dans mon vidéo aussi, que je voulais parler à vous. Et ces programmes, deux programmes gouvernementaux qui sont très, très importants, surtout dans cette époque-là d'inégalités, que les inégalités et les problèmes sociaux, on passe pour la crise. C'est très, très long ici. Pour savoir, maintenant, on commence la deuxième vague depuis 9 mois. Donc, on a passé, il y a des marchés des producteurs qui ont resté fermés 6 mois. Donc, c'est très difficile, 6 mois pour les agriculteurs familiaux, et c'est vraiment difficile, 6 mois, pour passer toute cette époque-là. Et maintenant que ça a commencé à retourner depuis 9 mois, on commence la deuxième vague très, très vite. Il y a déjà 170 000 morts au Brésil, et il y a 6 millions. Donc, il y a beaucoup de problèmes là, et c'est important qu'on parle maintenant de cette. On a des politiques sociales qui ne sont pas très. Le gouvernement n'a pas soutenu le gouvernement national, mais ici, comme on est au sud du Brésil, dans les États, on a des gouvernements qui sont des fois qui travaillent bien, et surtout des gouvernements locaux. Ça, c'est important, je pense que là. C'est partir du gouvernement local. Ça, c'est une chose importante pour et travailler aussi pour les programmes de justice sociale qui sont importants, que je parle aussi. Une autre chose importante, c'est la reconnexion entre l'alimentation, ces programmes-là, la santé, qu'on voit bien maintenant, l'environnement. Ici, on est dans une surface autour de la ville très forte pour les environnement, il y a des sources d'eau. On a un problème des sécheresses au Brésil très, très fort. Ici, on a les ressources d'eau. On a, à Curitiba, par exemple, il y a on a 30% juste des niveaux de l'eau. C'est difficile. On commence déjà. Il n'y a pas, par exemple, hier, je n'avais pas d'eau dans la maison. Aujourd'hui, il y a d'eau. C'est une grande ville. Donc, c'est important, sa reconnexion à l'alimentation. Oui, je vais Merci, finir. Merci, Moïsir, si tu me permets de te presser un peu. Oui, et là, pour finir, je pense que c'est important ces soutiens aussi des mouvements sociaux qu'on a parlé aussi, et des réseaux, parce qu'ils sont des mouvements qui créent un réseau de résistance et solidarité. Merci. Merci beaucoup. Donc, allez voir la magnifique vidéo de Moïsir qui parle aussi de choses très, très concrètes, hein, comme par exemple le fait que pendant la crise, les écoles ont reconverti leur budget de cantine pour acheter des paniers de secours alimentaires auprès des agriculteurs en agroécologie. Hein, c'est une souplesse dont on pourrait rêver en France, finalement. D'autres le font. Nous allons pouvoir maintenant traverser la Méditerranée pour aller au Burkina. Soulama est avec nous et compte projeter une présentation, je crois. Soulama, oui. Es-tu là? Gilles, je suis là. Très bien. Vous m'entendez? Ok, merci. Oui. Tu veux que je projette ta présentation? Je crois que comme on est limité par le temps, je vais exposer rapidement.
D'accord. Et puis, on pourra partager après la présentation. Très bien. OK. Bien, alors, j'ai été invité à parler de l'expérience de chez nous au Burkina en Afrique, de cette pandémie et qui interroge les systèmes alimentaires. Alors, il faut dire que cette pandémie est en passe d'être la plus grosse catastrophe en termes macabres dans l'humanité et elle nous pose un certain nombre d'interrogations. Notre humanisme actuel est questionné, ce qui pose plus globalement la problématique du rapport de l'homme contemporain avec son environnement et en particulier l'interrogation sur l'état de nos systèmes alimentaires au cœur d'une crise pandémique est justifiée. Alors, ceci dit, nous n'avons pas assez de littérature par rapport à la question et nous avons donc essayé de contribuer donc à cette réflexion qui est très importante pour l'humanité. Alors, lorsqu'on prend les systèmes alimentaires de production africaine, nous voyons que nous sommes sous les changements climatiques et les projections climatiques montrent qu'il y a des risques de crise agricole et alimentaire associés aux risques sanitaires. Toutes choses qui fragilisent les populations africaines et qui donc les exposent davantage à la pandémie du COVID-19. Alors, ceci dit, et interrogeant toujours donc notre système de production, nous voyons que, comme l'a dit un précédent, il y a une perte énorme de la biodiversité. Laquelle biodiversité constitue des ressources alimentaires pour les populations? Et ça, elle permet donc de varier l'alimentation des populations et donc d'augmenter leur résilience. Toute chose qui n'est plus possible lorsque nous rentrons dans des situations de crise. Et nous nous sommes rendus compte qu'avec COVID-19, vu que nous sommes des pays très vulnérables, très pauvres, avec le confinement, beaucoup de populations ne pouvaient pas sortir. L'État n'a pas de secours. Et si vous regardez les crises d'eau, les crises, beaucoup qui se débrouillaient pour avoir des petites ressources au niveau de la nature, sont obligés de rester chez eux, alors qu'il n'y a pas d'aide conséquente de l'État. Si bien que tout ça s'est aggravé et ça pose un certain nombre d'interrogations. Alors, quel est l'état de la disponibilité des ressources biologiques pour augmenter la résilience des populations en cas de crise? Comment les populations urbaines et rurales accèdent à ces ressources-là? Que faire pour répertorier les meilleures ressources afin d'augmenter donc la résilience de ces populations? Alors, chaque pays, dans sa stratégie donc, sanitaire, essaie donc dans une démarche holistique de prendre en compte tous ces aspects. Parce que nous savons aujourd'hui que l'alimentation est parfois en même temps une médecine. On a la notion d'alikama, des aliments variés qui peuvent nous donner une certaine résilience et qui peuvent nous mettre en dehors de certains chocs. Alors, de sorte que ces interrogations sont en tout cas actuelles et nous avions espéré un financement pour faire une petite enquête et puis venir à cette conférence-là avec des indicateurs précis sur un certain nombre d'aliments qu'on aurait répertoriés dans notre contexte-là qui pourraient augmenter la résilience de nos populations. Malheureusement, on n'a pas pu, nous pensons qu'à d'autres éditions, on pourrait donc revenir avec plus d'éléments. Alors, et lorsqu'on regarde les systèmes alimentaires en Afrique, eh bien, nous avons échappé à ce qu'on appelle l'hypothèse du chaos, parce que quand on prenne l'OMS, tous s'accordaient à dire que, vu la fragilité du contexte africain, eh bien, on allait ramasser les morts par hécatombe par rapport à donc, cette pandémie donc, du COVID. Alors, ceci étant, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Est-ce à dire que, quelque part, l'alimentation de l'Africain contient aussi des aspects qui puissent contribuer à augmenter sa résilience? Alors, nous pensons que tout ça, ce sont des interrogations qui doivent être mises au goût du jour. Dans tous les cas, eh bien, le système alimentaire étant défini comme étant, la manière dont les hommes s'organisent pour produire, distribuer jusqu'à l'assiette finale, nous pensons que ça ne devrait pas être un système globalisé, mondialisé et uniformisé. On devrait permettre au peuple de pouvoir donc avoir leur système alimentaire différent. Et nous pensons que, comme l'a dit quelqu'un, la résilience des communautés passe par là. Et ça doit être une résilience écologique, socio-économique des Africains. Et pour cela, nous pensons que, lorsqu'on accepte le système
alimentaire donc, des populations rurales en Afrique, c'est un système qui accepte la biodiversité. C'est un système en soi diversifié. Il y a une certaine diversité des écosystèmes qui coexistent avec les populations, une diversité des cultures et qui donc et les populations donc vont se nourrir à travers plusieurs cultures au champ et en même temps en brousse. Il y a une coexistence donc de plusieurs variétés de variétés et d'espèces cultivées à la fois. Bref, tout cela, nous pensons que ça ne doit pas être écrasé par un système alimentaire mondialisé et qui a donc des relents économistes. Alors, toute velléité d'uniformiser des systèmes alimentaires est un crime, à notre sens, contre l'humanité. Et ceci étant, il faut contribuer donc à protéger les systèmes alimentaires paysans qui sont fragiles, qui sont pauvres, contre les multinationales du secteur de l'alimentation, des pesticides, des semences, etc. Et c'est à ce prix que nous pouvons augmenter la résilience des populations. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Soulama, de nous apporter cet éclairage qui quelquefois peut surprendre. Hein, quand, tant on a une vision un peu misérabiliste de l'Afrique, de voir que finalement, vous avez eu un certain degré de résilience, ou un degré de résilience certain face à cette crise. Nous avons également avec nous Leila Xavier qui vient du Brésil et qui va se présenter très brièvement. Pardon, Leila est l'artiste de la séance, hein, c'est une cinéaste brésilienne. Leila, pode falar brevemente, por favor? Boa tarde, eu sou Leila Xavier. Bon après-midi. Je suis Leila Xavier. Je me présente ici en collectif. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour l'invitation à l'occasion de cette quatrième édition du Forum. Je souhaite remercier Mal également de nous avoir donné l'opportunité de nous rencontrer à l'échelle internationale et de parler, d'aborder de ce que nous faisons chacun de notre côté, notamment ici au Brésil. Nous inscrivons dans le cadre d'une lutte agraire. Nous pouvons également parler des questions d'éducation, des questions en lien également avec la manière selon nous pouvons utiliser l'art. Cela renvoie à différents mondes, à différents acteurs, mais c'est ainsi que nous allons pouvoir créer des réseaux et faire entendre notre voix. Donc, il est important que nous ayons cette initiative afin que nous puissions étendre nos réseaux. J'ai participé aux éditions précédentes du forum et il est très important, d'après moi, que chaque année, nous puissions élargir ce réseau. Car ici, au Brésil, nous vivons sous les menaces, les attaques constantes du gouvernement de Bolsonaro, comme cela a été déjà mentionné par mes collègues. Et il s'agit d'une situation que nous subissons. Nous voyons les répercussions au niveau de l'éducation des peuples autochtones et des travailleurs du milieu rural. Ces groupes ont fait l'objet d'attaques de la part du gouvernement. Merci. Petit presque tour du monde en Amérique latine, descendre un peu plus au sud avec Clara Craviotti. Donc, qui va. Alors, non seulement Clara vous a fait une belle vidéo sur la situation en Argentine, mais elle va nous dire des choses en plus là pendant cette conversation, et notamment sur une carte alimentaire pour lutter contre les détresses alimentaires qui a été mise en place en Argentine pendant la pandémie. Clara, c'est à toi. Oui, merci beaucoup, Gilles. Est-ce que tu veux que je passe ton diaporama? Non, je peux partager l'écran si tu veux. D'accord. Et
Oui, j'ai fait mon enregistrement sur la gestion des circuits courts. On a vu un accroissement en Argentine à cause de la pandémie et de la question de... J'ai un problème avec les vidéos. Ah, j'ai fait la solution. J'ai fait mon enregistrement sur les circuits courts. Et on a vu un accroissement en Argentine à cause de la pandémie. Et Jim m'a demandé spécialement de faire une petite présentation sur la question de la soutien alimentaire aux populations vulnérables et la politique mise en place en Argentine. Et d'abord, je voudrais signaler quelques caractéristiques centrales de la situation du pays qui permettent de comprendre les politiques adoptées. Quand le gouvernement d'Alberto Fernández a pris ses fonctions en décembre 2019, et la pauvreté touchait 35% de la population, et le chômage de 10%. Et à cause des mesures de confinement et de l'aggravation de la crise, la pauvreté a monté à 41% de la population, touche actuellement plus de la moitié des enfants argentins, et 30% des ménages. Et le chômage touche 13% de la population économiquement active. Et en décembre 2019, le nouveau gouvernement a lancé le plan Argentina contre l'hambre, le plan Argentine contre la faim, qui était une promesse de campagne, et qui a été présenté comme le plan le plus ambitieux du gouvernement qui visait à résoudre les problèmes de la faim et de la malnutrition grâce à la livraison d'une carte alimentaire et à distribuer à 80% des familles avec des enfants de moins de 6 ans. Et aussi, les plans envisageaient l'adoption d'habitudes alimentaires saines et renforcer l'économie solidaire et l'agriculture familiale. Et à cause des restrictions à la mobilité des personnes, dans certains cas, la livraison de la carte a été remplacée par un virement bancaire. Et l'aide alimentaire, qui était demandée par 8 millions de personnes en décembre de 2019, atteint aujourd'hui 11 millions de personnes, qui c'est environ un quart de la population argentine. Et qui sont les destinataires de la carte alimentaire? Et les destinataires sont les mères et les pères avec des enfants de moins de 6 ans qui reçoivent l'allocation universelle pour les enfants, qui c'est une politique mise en place en 2009 et c'est destiné aux chômeurs. Aussi, les femmes enceintes à partir de 3 mois de grossesse et les personnes avec des enfants handicapés. Alors, ce n'est pas une politique universelle parce que les exclus sont les personnes ou les ménages sans enfants. Et en particulier, les retraités. Et on va la peine dire qu'en Argentine, on estime que les retraités avec des revenus minimaux couvrent seulement un tiers du panier de produits estimé pour les personnes âgées. La prochaine, s'il vous plaît. Et quels sont les types d'aliments qu'on peut acheter avec la carte alimentaire? Et avant que la pandémie éclate, la carte alimentaire était conçue comme une carte de débit avec laquelle on pouvait acheter seulement de la nourriture et des produits de nettoyage, et toutes sortes d'aliments et de boissons, à l'exception des boissons alcoolisées. Aujourd'hui, la carte est limitée aux produits du panier alimentaire. Dans les premières étapes du plan, un effort a été fait pour stimuler les modes de consommation saine à travers des conférences données par des nutritionnistes aux personnes qui allaient au bureau public pour recueillir la carte. Mais cela n'a pas continué à cause du confinement. Et comme chaque chat qui est fait avec la carte est enregistré, le ministère du Développement social peut suivre les aliments consommés par les ménages. Au début du plan, les deux tiers des achats faits avec la carte étaient des produits frais, du lait, de la viande, des fruits et des légumes. Mais aujourd'hui, le pourcentage a baissé à 50%. La raison est le coût des aliments frais et la perte de revenus des familles pauvres qui priorisent des produits avec une plus forte contribution calorique et moins chère. Aussi, la Fédération de la nutrition souligne qu'il s'agit d'une question d'environnement alimentaire et la possibilité de disposer de produits. Et quels sont les circuits d'approvisionnement? Bon, on a besoin des actions pour renforcer les liens entre les politiques alimentaires et les politiques visées à l'agriculture familiale et l'économie sociale. Parce que dans les premières étapes du plan, on a fait des efforts pour canaliser la demande vers ces secteurs à travers de l'installation des marchés foraines à côté des lieux de livraison de cartes. Mais à cause du confinement, ces types de marchés ont été suspendus. Alors, ces types d'initiatives n'ont pas continué.
Et mais une question très importante est que la carte est acceptée par les entreprises ou les magasins qui disposent d'un lecteur de carte de crédit ou de débit ou un code QR. Et ces exigences posent un problème pour les petits producteurs qui pratiquent la vente directe ou qui vendent leurs produits à travers des canaux informels. Et le ministère du Développement social a créé un registre de travailleurs de l'économie populaire qui permettra aux producteurs d'émettre des factures, que c'est une question clé, et de s'inscrire gratuitement à la monotaxe pendant 2 ans. Mais la question de comment résoudre la formalisation des producteurs n'est pas encore bien résolue et demande une politique intégrale. L'organisation des acteurs en coopérative serait une possible solution. On a besoin aussi de faciliter la gestion des contrats des agriculteurs avec l'État. Un canal d'approvisionnement pour les achats publics de denrées alimentaires provenant de l'agriculture familiale, comme il existe au Brésil, n'est pas bien développé en Argentine. Et quels sont les enjeux pour l'agriculture familiale et l'économie sociale? Bon, l'État est en train de créer un système de financement de l'agriculture familiale et à travers des crédits non bancaires destinés à l'achat des machines et des outils. Un autre mécanisme de soutien prévu est la certification de la qualité des produits et la promotion d'une marque collective. Du côté de la demande, on envisage la création de magasins populaires. Le ministère est en train de développer une application pour que les bénéficiaires de la carte alimentaire puissent acheter leurs produits auprès des marchés de l'économie populaire. Il y a plusieurs questions à résoudre du côté de la logistique, mais je crois que la plus importante est l'organisation des acteurs qui facilite réunir les deux points de la chaîne de l'agriculture familiale et les consommateurs des secteurs populaires. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Clara. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo qu'elle a faite, hein, qui sera complétée par ce nouveau diaporama. La parole est maintenant à vous. Je vous avoue un peu de honte parce que nous pensions que nous pourrions vous donner beaucoup plus largement la parole pour des questions que nous le faisons dans une conférence habituelle. Mais donc, je vais peut-être laisser Doriane qui suit attentivement toutes les questions qui sont posées, nous faire part d'une question qui revient fréquemment. Oui, Gilles, ça y est, je viens de récupérer mon micro. Alors, on a eu quelques questions depuis le chat de YouTube. Alors, pas une question qui revient fréquemment, mais je peux déjà en poser une qui concerne la loi contre le gaspillage et à laquelle Evelyne souhaitait peut-être répondre. Donc, la question, c'est la suivante. La loi contre le gaspillage alimentaire n'a-t-elle pas permis, surtout aux entreprises de l'agroalimentaire, de la grande distribution, de ne pas poser la question de la surproduction? Donc, Evelyne, peut-être? Donc, elle est adressée à quelqu'un en particulier? Non, c'était global, mais j'ai eu une réaction de Evelyne qui souhaitait y répondre en direct. D'accord. D'accord. Bonsoir. Bonsoir, Evelyne. Il faut reprendre un peu la question encore pour moi, s'il te plaît. Oui, donc ça concernait la loi contre le gaspillage alimentaire et de savoir si cette nouvelle loi n'a pas permis à l'agroalimentaire d'assumer cette surproduction en se justifiant dans le sens où elle était destinée à venir en aide des structures d'aide alimentaire. Je la reformule comme ça. Donc, c'est une loi française qui est apparue l'année dernière. Donc, c'est peut-être une question qui peut être destinée à Guillaume Garot aussi, je pense. Par rapport au contexte du Canada, il faut dire que quand on parle en matière de gaspillage et de loi pour un peu essayer de réguler... Evelyne, on t'entend très mal. Vous entendez maintenant? Oui, très bien. D'accord. Je disais que quand on parle en termes de loi pour le gaspillage alimentaire, au niveau des pays sous-développés, surtout au niveau du Burkina, on ne sent pas trop la pertinence de cette loi sur le gaspillage des aliments. D'autant plus que
on est en situation de manque, que de surplus en termes d'alimentation. Et j'intervenais en fait à ce niveau pour dire que quand on parlait du COVID, on vit plus cette situation dans les centres urbains que dans les villages. En fait, l'engouement ou le débat autour de cette maladie en rapport avec l'alimentation, c'est plus dans les centres urbains parce que dans les villages, le circuit de l'alimentation est plus familial. Et l'alimentation se conserve pendant la saison des pluies pour être consommée en sèche, pendant la saison sèche, parce que les gens ne sont pas dans une situation où ils ont des moyens pour pouvoir aller vers les aliments pour les acheter. Ils les conservent chez eux. Donc, et ils n'étaient pas dans une position où il fallait conserver. C'est nous, dans les centres urbains, qui étions dans l'engouement d'aller vers les boutiques pour faire des réserves. C'était ça surtout que je voulais clarifier. Sinon, la surproduction ou le gaspillage alimentaire est plus réservé aux nantis, qu'on compte des bouts de doigts dans les pays comme le Burkina Faso. Je crois que Souleymane, si ce n'est pas exact, il pourra corriger ça. Merci. Guillaume Garreau, peut-être pouvez-vous, comme c'est un sujet qui vous intéresse particulièrement, prendre la parole pour dire ce qu'il en est en France. Juste pour peut-être nuancer le propos de Mme Compaoré, pour dire que le gaspillage, malheureusement, il est mondial. Hein. Il est vrai dans les sociétés qu'on dit riches. Et c'est vrai, c'est un gaspillage davantage au stade de la consommation. Mais il y a aussi dans les pays en développement, me semble-t-il, hein, un gaspillage aussi à la production pour des questions de stockage, de transport aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai pu lire. Mais je parle vraiment sous le contrôle de Mme Compaoré. Hein. Il semble bien qu'au plan mondial, on soit quand même à un tiers, je le répète, de la production alimentaire qui est perdue ou jetée chaque année. Alors, peut-être, c'est une exception du mot gaspillage au sens large, y compris les pertes agricoles hein, qui fait ce total-là. Donc, il faut avoir ça à l'esprit. Alors ensuite, la question qui a été posée, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas donner bonne conscience à toute l'industrie agroalimentaire parce que par le don alimentaire, elle n'aurait pas à se poser la question de ces invendus ou d'un système de production qui encourage une consommation de masse et toutes les dérives de la surconsommation, de la société de surconsommation. Je veux bien entendre ça. Sauf que il faut aussi entendre que cette loi, elle a permis, en tout cas la loi que j'ai portée, que j'ai écrite contre le gaspillage alimentaire, elle a permis en France une prise de conscience de l'ensemble des acteurs et pas simplement des consommateurs, qu'il fallait agir et que chacun avait une responsabilité pour agir contre le gaspillage alimentaire. Et la loi, elle ne se résume pas simplement aux dons alimentaires. La loi, elle va beaucoup plus loin. Elle offre un cadre, elle bâtit un cadre d'action pour dire, mais dans l'industrie, puisqu'on parle de l'industrie alimentaire, il y a aussi sans doute des pertes et des gaspillages. Qu'est-ce qu'on fait pour diminuer partout ces pertes et ces gaspillages? Et allons plus loin, dans la production aussi, il y a des pertes et des gaspillages. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Donc, c'est vraiment un jalon, un premier jalon, je suis d'accord, pour une prise de conscience globale de ce qu'est le gaspillage alimentaire, pour dire ensuite que chacun peut agir et pour faire en sorte qu'on active levier après levier pour qu'on soit dans un mode de production et de consommation qui soit plus responsable vis-à-vis de notre alimentation. La lutte contre le gaspillage, ce n'est pas un état, c'est un chemin. Voilà. Et donc, chaque fois qu'on avance sur le chemin, ben, il faut jalonner, il faut poser des actes et c'est comme ça qu'on changera notre système de production et de consommation. Merci. Dans les questions qui remontent, j'en vois également une qui était adressée alors plutôt à Dominique Barjol, qui était rédigée sur le thème « L'alimentation ne doit pas être considérée comme une marchandise. Les accords de l'Union européenne avec les pays qu'on appelait ACP bénéficient avant tout aux multinationales de l'agroalimentaire. Je pense que cette question un peu de fond sur la nature même de l'alimentation, qui n'est pas une marchandise comme les autres, appelle une réponse de Dominique Barjol et peut-être aussi de Terry Marsden. Oui, je pense que c'est vraiment un thème central.
Et c'est vrai que les dernières votations en Suisse avaient vraiment porté ce thème-là. C'est-à-dire, c'était la nature de l'alimentation et qu'est-ce qu'on fait pour, en fait, mettre, comment faire au mieux pour mettre ça en loi, quoi. C'est-à-dire vraiment le traduire dans un droit. Et je trouve qu'il y avait une autre question sur service public rendu par l'alimentation. Et ça rejoint aussi tout cet accès, tout le problème de l'accès à l'alimentation. Et en fait, toute la sécurité alimentaire, elle ne peut pas être réglée si on fait un commerce de l'alimentation, un commerce au sens libre-échangiste de cette alimentation. Donc, je pense que c'est vraiment un des droits fondamentaux, l'accès à l'alimentation, et que par conséquent, l'alimentation et indirectement aussi l'agriculture doivent échapper aux règles du commerce, qui est partiellement le cas, mais ce qui n'est pas assez le cas. Et on voit qu'un grand débat de société doit pouvoir se mener sur ce sujet. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, on a cette démocratie directe, mais il y a tellement de pays qui ne l'ont pas que finalement... Moi, je n'ai pas de réponse de savoir à quel niveau il faudrait le faire, mais il me semble que le cadre international, en tout cas, il doit s'en occuper et à l'OMC, et à la FAO, et dans ces instances où on discute maintenant la transformation du système alimentaire global, c'est très à la mode, bien sûr, mais si on n'adresse pas la question de la nature commerciale de cette alimentation, je ne pense pas qu'on puisse trouver une réponse. Ça va être des réponses, mais qui seront partielles et qui ne vont pas avoir tous les effets qu'on devrait pouvoir avoir rapidement, disons. Merci, Dominique. Je crois que Terry, c'est une conception qui est également défendue dans le rapport présenté au gouvernement gallois. Comment est-ce que vous l'appréhendez, cette question de la nature même de l'alimentation ? Yes, this is an important battle line. C'est une bataille très importante que nous devons mener. Le gouvernement britannique à l'heure actuelle refuse de voir la nourriture en tant que hors des une sorte de marchandisation de la nourriture. Et il faut continuer à se battre sur cette question, étant donné qu'il s'agit d'un bien public, d'un bien commun, et donc il faudrait élargir la définition de cette marchandise qui ne doit pas être marchandisée, elle ne doit pas être une marchandise, mais un bien commun. Donc, nous avons besoin d'un cadre plus large en ce qui concerne l'alimentation, éviter cette dichotomie entre la marchandise et le bien de consommation. Selon moi, devrait être intégré dans les politiques publiques. Et d'ailleurs, il y a l'exemple du Brésil. Et nous avons besoin d'une politique alimentaire efficace, parce que le marché ne résout pas le problème. Et il y a souvent des échecs dans le marché, ce qui concerne différents problèmes, notamment des déchets. S'il s'agit pas seulement d'un moment, il faut absolument unique à l'heure actuelle, et même après la guerre et au XXe siècle, et lorsque l'on a eu toute une politique pour alimenter, et après il y a beaucoup de résistance à l'heure actuelle. Cela fait l'objet souvent des débats au niveau gouvernemental. Merci beaucoup. Je peux inviter peut-être nos collègues argentins, burkinabés ou brésiliens à apporter leur point de vue sur cette question. Donc, s'ils ne réagissent pas assez vite, je vais en saisir une autre, peut-être, qui dit que durant le confinement, nous avons vu une abondance d'initiatives locales
en riposte créative, hein, donc 110 en Bretagne, sur les circuits courts, avec une collecte en bénévolat. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer des formes de coopération entre collectivités, acteurs de l'alimentation et porteurs d'initiatives de résilience alimentaire? Et peut-être, si oui, comment le faire? Qui a des idées bonnes de préférence? Bon, dans le cas d'Argentine, on a vu que il y a beaucoup d'innovations à cause de la pandémie. Et, par exemple, les organisateurs des initiatives ont proposé de compléter leur offre de produits. Et, aussi, il y a un changement dans les liaisons entre les circuits courts et l'espace géographique. Il y a des situations de relocalisation parce qu'il y a eu des restrictions à la mobilité, mais aussi il y a eu la possibilité de se connecter à cause du développement de technologies digitales. Il y a eu aussi la possibilité d'offrir les produits locaux dans d'autres régions. Alors, ce n'est pas facile, mais je crois que la question, c'est que l'État, je crois que, est un peu derrière des initiatives citoyennes. Les initiatives citoyennes sont plus dynamiques et elles sont des laboratoires d'expérience, mais il y a des difficultés pour faire la liaison avec les canaux de l'État qui puissent recueillir ça et améliorer, renforcer les liens entre, par exemple, les communautés pauvres et l'agriculture familiale. Donc, si vous me permettez, je vais saisir au bon cette déclaration de Clara pour vous dire que vous avez également à disposition, parmi les ressources, une vidéo de Yuna Chifolo, qui est une collègue de l'INRA de Montpellier, qui travaille depuis longtemps sur les questions d'innovation sociale et qui nous a fait une vidéo spéciale sur comment l'innovation sociale s'est développée, a produit des choses nouvelles en temps de crise. Je fais le pitch à sa place parce qu'elle a eu un empêchement, mais sachez que sa vidéo est disponible dans la session 1. Vous pouvez aller la voir. Qui d'autre souhaiterait réagir à ces questions? Ou j'en prends une autre, peut-être Doriane, as-tu une autre question sous la plume? On a une autre question qui est arrivée au début de nos échanges qui concerne les liens entre les différents pays et notamment pour le Brésil. Donc la question, c'est la suivante. Pour nos amis du Brésil, comment de loin et concrètement, depuis nos pays, on peut aider au maintien des terres pour la production collective? Question pas évidente. Qui souhaite répondre? Peut-être Sarah ou Silvano? Oi, desculpa. Oi, estão me ouvindo? Tá. Alô? Alô, pode falar. Oui, le son est très mauvais. Silvano, le son est très mauvais. Estamos te ouvindo. Pessoal, não escuto ninguém. Ah, agora estou ouvindo. Eu não entendi o que me perguntaram. Acabaram que tiraram minha... La question qui m'a été posée. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Donc, la question était de comment nous pouvons vous aider, les personnes au Brésil. No fortalecimento da produção, então nós temos grandes demanda pela questão da... Donc, il y a une grande demande. De la production agricole et des investissements. Et mais nous connaissons des menaces importantes.
perante o poder público ou conseguir e nós devemos fazer face a de nombreuses dificuldades. Então, pour avoir accès aux ressources, aux machines agricoles. Et donc, bien sûr, cela, toute aide pourrait nous aider afin de pouvoir assurer la production et pouvoir conserver aussi nos terres. Et nous devons nous assurer l'avenir des producteurs d'aliments, des agriculteurs. Nous avons aussi besoin donc d'un appui, d'un soutien international et donc vous pourriez faire une sorte de lobbying auprès des autorités publiques pour demander à ce que les agriculteurs puissent rester sur leurs terres pour produire. Et quant au droit à l'alimentation, c'est un droit humain. Donc, et on pourrait avoir un appui en ce qui concerne là aussi la commercialisation ici au Brésil. Nous connaissons beaucoup de difficultés. Nous avons aussi des problèmes d'accès aux semences. Merci beaucoup, Silvano. Je vois sur le et donc, nous avons aussi besoin de la protection de nos semences paysannes. Un peu celle que soulevait Silvano, donc, de communication entre les producteurs. No chat, non tô ouvindo aqui. Excusez-moi, je suis pris dans une opération technique. Donc, deux autres questions rejoignaient ce que vient de nous dire Silvano, qui soulignait le manque de communication ou de dialogue entre les pouvoirs locaux au Brésil et les producteurs. Deux interventions sur le chat se rejoignent. Ils disent de quelle autonomie et moyens d'action dispose une collectivité pour mettre en place un projet alimentaire relié à son territoire ? Et une autre qui dit que la problématique doit être traitée du bas, c'est-à-dire par les territoires et au plus près des populations et non pas à partir d'en haut. Donc, finalement, comment les acteurs locaux, dont les collectivités, peuvent s'organiser pour répondre à ces défis que nous pose la résilience ? Qui veut répondre ? Si je peux répondre, Dominique ? Dominique, oui. On n'a pas de réponse toute faite, mais c'est clair. On a aussi, nous, un forum auquel Gilles a participé, le forum Origines, Diversité et Territoires, qui se réunit aussi chaque année. Et on est parti quand même du même constat. Et je pense qu'avoir ce type d'échange et même de visite, si c'est possible, entre les différents territoires, ça renforce beaucoup la capacité des territoires à entreprendre même une prise en main de leur capacité d'action, de réaliser quelle est cette capacité d'action et de la mobiliser aussi les énergies qui sont là, qui sont présentes. Parce que finalement, ce que je vois moi, en tout cas, même dans, enfin, pas que en Europe, mais aussi en Afrique, aussi en Amérique du Sud, c'est que bien souvent, les communautés locales ont de la peine à structurer une démarche collective. Et ça, c'est quand même quelque chose où on peut acquérir des compétences et on peut arriver du coup à mobiliser des choses qu'on ne pensait pas possibles, faisables. Alors évidemment, on a été dans ce territoire exemplaire de la Biovallée en France, qui depuis 15 ans a mené des projets qui font école, mais il n'y a pas que ce territoire en France qui fait ça, et il y a d'autres communautés dans d'autres lieux qui sont des communautés inspirantes
pour tout le monde. Et je pense que d'aller à leur rencontre et de prendre aussi vraiment le temps d'écouter les personnes qui ont porté ces projets, qui les ont menés à bien sur une longue période, c'est un processus d'apprentissage. Au-delà de tout ce que peut donner une loi, de tous les soutiens que peuvent donner des soutiens publics, officiels, je pense qu'il y a aussi cette capacité à vraiment prendre en compte et à développer. Merci Dominique. Alors je tiens à souligner que ce forum que nous avons aujourd'hui doit beaucoup au forum Origine, Diversité, Territoire, hein, à qui nous avons piqué pas mal de bonnes idées. Donc tout ce que vous avez vu de beau aujourd'hui est dû au forum et toutes les erreurs sont les nôtres. Mais merci beaucoup en tout cas pour la source d'inspiration qu'a représenté votre forum. Je pourrais peut-être donner la parole à Moacir sur ce sujet, puisque je crois qu'une bonne part de ton travail, Moacir, est justement d'essayer de tisser des liens entre tous les acteurs du territoire du Grand Curitiba. Oui, je pense que le point principal de renforcement des espaces de dialogue entre les pouvoirs, le gouvernement local et la société civile ici au Paraná sont des conseils. Les conseils, on a les différents conseils de sécurité alimentaire, par exemple, que le gouvernement, en fait, Bolsonaro, il a fini beaucoup de ces conseils-là. Donc, les conseils de sécurité alimentaire, des conseils d'alimentation scolaire, les conseils de développement rural. Et on a un conseil, un programme ici, un conseil qui, pour les programmes d'agroécologie aussi, qui font la liaison entre l'agroécologie, l'agriculture familiale, les circuits courts et les innovations sociales. Donc, c'est pour les biais de ces conseils qu'on va réussir, je pense, à faire un dialogue entre les gouvernements locaux et la société civile et les mouvements sociaux. Merci. Merci beaucoup. Je peux peut-être repasser la parole à Doriane pour une nouvelle question. Et puis après, je crois que nos capacités d'attention commencent à s'émousser sur ces visioconférences qui sont malgré tout très fatigantes. Soit l'un d'entre vous, panéliste, souhaitait prendre la parole ou Doriane nous livre une nouvelle question. Je peux effectivement vous partager une nouvelle question. En fait, ça. Je gostaria de fazer uma colocação. Quem fala? J'aurais une question de Sylvana. Est-ce que je peux? Est-ce que je peux la poser? Quem fala? Sylvano a demandé la parole. Sylvano a demandé à poser une question. Então, eu só queria assim tornar conhecimento de todos da importância do que foi o um apoio dos conselheiros, né, a AMAR, indiquer uma à quel point il est important de tisser des partenariats. Ce partenariat avec la France est vraiment important. Um pequeno investimento que a gente fez, não, com essa dificuldade dos equipamentos necessários, assim mesmo ainda conseguimos produzir. Nous avons été en mesure de produire nos cultures. Nous avons obtenu 6 tonnes de haricots cette année en raison du soutien que nous avons reçu de la MAP et de notre partenaire au Brésil. C'est la raison pour laquelle je souhaitais remercier publiquement la MAP, notre partenaire. Est-ce qu'un autre de nos panélistes souhaite prendre la parole ou on donne la parole à Doriane pour une dernière question qui est posée. Doriane, à toi. Eu gostaria de falar, vocês estão me ouvindo? Ah. Sim, sim, sim. Je voudrais dire quelque chose de mon côté également. Meu nome é Lidiane e eu falo do centro. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je suis Lidiane. Com um pouquinho de atraso, sou gostaria de trabalhar Rio de Janeiro. Teve essa discussão sobre de que forma, sobre a questão de segurança alimentar e de nutrição. Je suis un petit peu en retard pour évoquer cette question, mais algumas comunidades, alguns territórios.
Je voulais rebondir sur la question concernant le soutien que nous pouvons recevoir de l'extérieur au Brésil. En réalité, selon la vidéo de la session 1, en lien avec les travaux réalisés par l'université, nous avons travaillé avec les paysans de Bahia. Il est important de recevoir ce type de soutien, même s'il s'agit d'un petit projet. Nous devons reconnaître que ce type de soutien nous a permis de réaliser des actions en matière de formation. Notamment, nous avons réalisé également des activités de sensibilisation en matière de durabilité de l'alimentation. Et un projet est également en cours de création et d'initiation. Par conséquent, même s'il s'agit de projets courts de 3 mois, uniquement ce type de projet peut vraiment nous aider à l'échelle locale. Lorsque l'on regarde la vidéo sur les coopératives, eh bien, on en retire beaucoup d'enseignements et je vous recommande tous de la regarder. Je crois que nous arrivons vers la fin de cet échange. Merci à tous ceux qui ont accepté d'y participer, venant de loin, puisque nous étions quand même très internationaux, rassemblant Burkina, Brésil, Argentine, Pays de Galles, Suisse et même Bretagne. Donc, je ne peux manquer de vous quitter en vous faisant un petit pitch pour les séances qui vont avoir lieu demain. Donc demain, il y aura une séance le matin sous une forme très voisine de celle que nous avons eue aujourd'hui, mais qui s'attachera plutôt à explorer ce qu'est la résilience et la résilience alimentaire en particulier. Nous serons beaucoup plus sur les voies de la résilience. Et j'aimerais, en conclusion, reprendre quelque chose qui nous a été dit sur le chat, qui dit « Les collectivités territoriales sont idéalement placées pour être les chefs d'orchestre d'une gouvernance alimentaire locale, à condition d'avoir les moyens juridiques de le faire. » Donc, le petit pitch de demain, c'est que pour une fois, quand on parlera d'alimentation, vous aurez aussi un juriste qui sera là et qui pourra explorer avec vous les voies légales pour justement rassembler avec les collectivités territoriales, mais elles ne sont pas toutes seules, les acteurs locaux, pour avancer vers la résilience alimentaire. Donc, je vous remercie tous de vos contributions. J'espère que les conditions techniques ont été satisfaisantes, qu'il n'y a pas eu trop d'énervement. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à Nicolas qui a été aux manettes et a réussi, je pense, à maintenir le dialogue à flot pendant tout ce temps. Merci à nos interprètes qui ont dû avoir beaucoup de boulot parce que j'ai bien noté la différence d'accent qu'il y a pu avoir, même entre Brésiliens, par exemple. En tout cas, nous espérons vous retrouver à une autre séance de notre forum et merci à tous. Bonne soirée. Thank you.